Eh oui, il est triste. Il est triste parce que aujourd'hui c'est le dernier cours en vidéo. C'est le dernier cours en vidéo et il a adoré faire ça. Il a adoré vous envoyer chaque semaine les nouveaux pas de danse pour que vous entraîniez à la maison. Et voilà. Mais bon, nous on est contents parce qu'on va reprendre les cours en vrai, à la salle, avec notre professeur. Voilà, mais Pandoum, tu sais, t'as le droit de passer les voir de temps en temps si tu veux pendant leur cours, hein. Hein? Est-ce que vous voulez que Pandoum y passe vous voir un petit peu? Bon, allez, il passera vous voir. En tout cas, c'est la dernière semaine en vidéo, puisque la semaine prochaine, ça y est, on peut reprendre les cours à Urban directement et ça fait super plaisir. Ok, allez, Pandoum, c'est parti. Ah! Juste avant qu'on commence l'échauffement, petite surprise. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin du cours, vous saurez qui se cache derrière Pandoum. Ok? Pareil, on lance un petit jeu concours, on lance un petit jeu concours. Là, vous êtes déjà pas mal à nous avoir envoyé des petites vidéos en train de danser, ça fait super plaisir. Continuez à envoyer cette semaine parce qu'on va sélectionner les deux meilleures vidéos de ceux qui nous ont envoyé des vidéos en train de danser et on va vous offrir un super t-shirt Urban Talent remis directement par Pandoum. Ok? Donc entraînez-vous bien, faites-nous une super vidéo et c'est parti pour l'échauffement. Pandoum, let's go! My situation, and sometimes I know you get impatient, but you don't put on a show to get ovations. Take it to court and go through litigations. And I respect your gangster, treat you like a princess, and put some on your neck to thank you. She's my pinch hitter. When it's starting line up and playing right, I come off the bench with her. It might sound like I'm gassing ya, but it takes time to get from the backseat to the passenger. We be creeping and sneaking just to keep it from leaking. We so deep in our freaking and we don't sleep on the weekend. White face, a little bit of tight. Wonder why I keep coming home in the middle of the night. It'll be alright if y'all bump heads, it'll be a fight. But I said it'll be alright. Come on, I really wanna be with you. If my drop do come through, but I know the boutiques and shops you run through, so I cop on one and cop you one too. You always get a daily page, weekly rings. Plus you ain't too shy to do them freaky things. I ain't gotta put a band on your finger. I worry about you telling the whole world I'm your man while I'm springer. At first you was something I denied, something I would slide just to do something in the ride. But shorty, it's something you provide, cause the entree ain't as good without something on the side, you know. I really wanna be with you. I can't leave you.
Ok, alors aujourd'hui on a décidé avec mon assistant Pandoum, parce que c'est moi le boss, toi t'es l'assistant. Tu me check ou pas? Ok, on a décidé avec mon assistant Pandoum de vous faire découvrir un nouveau style de danse. Ce nouveau style de danse hip-hop s'appelle le locking. Pandoum, est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration de locking juste avant qu'on commence? Attention, c'est parti. Check. Maximum de bruit pour Pandoum, s'il vous plaît. Ok, vous allez voir, ça a l'air difficile, mais je sais que vous allez y arriver. C'est pas si difficile que ça. Avant de commencer notre petite chorégraphie, on va vous apprendre trois bases qui sont super importantes, qu'il va falloir qu'on maîtrise pour pouvoir faire notre chorégraphie. Première base, attention, on l'appelle up and lock. Up qui veut dire en haut, qui veut dire monter, and qui veut dire et. Lock qui veut dire bloqué. Ok? Je vous explique. Up, c'est comme si je voulais faire les gros muscles. Je lève les bras en l'air, je me tiens bien droit. End, je relâche les bras. Et là, lock, je vais sortir les coudes et je vais bloquer mes coudes. Pom! Je vais me retrouver comme si j'étais sur une moto ou sur un vélo. J'ai le dos rond comme ça, j'avance un petit peu la jambe, je plie un petit peu la jambe pour que ce soit plus facile. Pom! Et je bloque mes coudes. Je vous le montre une dernière fois, ça fait up, on se tient bien droit en l'air. End, les bras descendent et lock. Je sors les coudes et je bloque. On y va ensemble. 5, 6, 7, 8 et up. End, lock. Encore. Up, end, lock. Encore doucement. Up, end en bas. Lock, on bloque. Super. Deuxième. Pandoum, on va voir si tu l'as bien mémorisé. Attention, up and lock. Up and lock. C'est parfait. Deuxième base. Cette deuxième base, elle s'appelle le Wiss Walls. Wiss en anglais, ça veut dire les poignets. Walls, ça veut dire rouler. Attention, ce n'est pas très facile. On monte les mains, les paumes vers le ciel. D'accord? Les mains ouvertes vers le ciel. On monte, on attrape. Et là, on tourne le poignet pour se retrouver les ongles vers l'avant. Les coudes à la hauteur des épaules. Les mains juste à côté des oreilles. Et je relâche. Encore une fois, celui-là, il n'est pas facile. Je monte, paume vers le ciel, j'attrape. Et quand j'arrive en haut, je retourne le poignet pour me retrouver les ongles vers l'avant. Et je relâche. Il va falloir le répéter pas mal de fois avant de le maîtriser. Donc, vous inquiétez pas si au début, vous n'y arrivez pas. C'est normal. On reprend, monte, paume vers le ciel, j'attrape, j'enroule et je relâche. Je viens toucher la jambe à chaque fois, c'est plus facile. Monte, attrape. Et relâche. Paume vers le ciel. J'attrape. J'enroule. Les ongles vers l'avant. Pom. Et je relâche. Super. Prenez le temps de vous entraîner. Mettez pause. Répétez-le 10 fois, 20 fois jusqu'à temps que vous soyez à l'aise. Troisième base. Le pointé. Ça, c'est pour montrer quelqu'un du doigt. Je sais que ce n'est pas poli. Mais quand on danse, on aime bien le faire. Le bras, il va monter le long du corps. Et pom. Je pointe. Comme si je voulais planter une épée. Et je reviens le long du corps. Regardez bien, imaginez-vous que j'ai mon épée là qui est rangée dans son fourreau. Je sors l'épée. Et je pointe, je plante là. Ok, ça marche. Doucement. C'est dangereux et c'est mal poli pour nous. Concentre-toi. Ça y est, c'est pris pour un chevalier celui-là. On y va, on reprend encore. 7, 8 et 1. Et je range l'épée pareil dans son fourreau. L'autre côté, monte le long du corps. Pom, je pointe.
Attention, le doigt bien droit. Vraiment, je pointe quelqu'un du doigt. Je montre quelqu'un du doigt. Et je range encore. Maintenant, devant. Bon, hé, je te vois, hein. Il y a la vidéo. Encore. 7, 8. Monte le long du corps. Pointe. 1. Et je reviens. L'autre côté. Pointe. Reviens. Et devant. Pointe. Et je reviens. Super. On a nos trois bases. Première base. Up and lock. Encore. Up and lock. Super. Deuxième base. Wrist rolls. Le rond de poignet. Enroule. Et les relâche. Round. Pump. Encore. Enroule. Et relâche. Super. Troisième base. Pointé. 1, 2, 3, 4. Super. Parfait. C'est bon, on peut démarrer la chorégraphie. Attention, la chorégraphie. Premier mouvement, très simple. Je suis placé là, une main sur les hanches. Et je vais juste, avec ma main là, je vais juste faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas grave si vous savez pas claquer des doigts. De toute façon, ça s'entendra pas sur la musique. Donc si vous me faites ça et vous claquez pas des doigts, c'est pareil. C'est exactement pareil pour moi, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. On y va, on essaye sur la musique pour voir ce que ça donne. Et c'est parti. Ok, on y va, concentré. Main sur la hanche, jambe droite un petit peu avancée. Juste là, on commence en bas. 1, 2... 4, 6, 8. Ok, c'est pas mal, mais ça danse pas assez. Maintenant, j'aimerais que ça danse un peu plus. On va faire 1, 2, 4, 6, 8. Regardez, je rajoute les genoux, le bassin, le buste. 1, 2, 4, 6, 8. Encore, on danse. 1, 4, 6. Parfait. On a notre première phrase et on attaque directement notre deuxième phrase. Ici, on va marcher, ok, marcher. Donc en levant les genoux, en laissant balancer les bras, en laissant danser le corps. Ok, allez-y, tout le monde marche. Super, pas mal. Ça se balance un peu à droite, à gauche. Yeah, super. Laissez les bras se balancer naturellement comme quand on marche. Et là, en même temps, on va tourner. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ok, donc on tourne dans un sens, on commence par la gauche, on tape et on revient dans l'autre sens à droite. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour que ce soit plus efficace, quand on tourne, on va ouvrir un petit peu les bras. Vous allez voir, ça va être plus facile. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, super. Donc, on a nos deux premiers 8. 5, 6, du début. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tournez. 1, 2, 3, boum. 5, 6, 7, boum. On a déjà deux phrases. Et on attaque directement. Troisième phrase. Vous connaissez facile. Up and lock. Reviens. Une deuxième fois. Up. Cette fois-ci, petite feinte. Hop. Les mains sur les épaules. Relâche les bras en bas et bloque. On y va, on reprend, ça fait 1, 2 en bas, 3, 4, 5 en haut, 6 les mains sur les épaules, 7 en bas, 8 on bloque. Vous avez vu, j'ai juste mis une petite variante. Une dernière fois pour être sûr que ça rentre bien, 7, 8, ça fait 1, 2 en bas, coude, 4, 5 cette fois-ci, épaule en bas, coude. Super. On essaye ces trois phrases sur la musique pour voir ce que ça donne. C'est parti, let's go. Allez, lâchez-vous, je veux voir tout le monde sourire. Je veux voir tout le monde sourire. On s'amuse.
5, 6, 5. Encore, bougez, bougez, bougez. 7, beat et 1, 2, 4, 6. On tourne et 1. 1, 2, 3, 4 et 5. Épaule. Ok, vraiment parce que vous êtes bon, on va se rajouter encore une petite phrase. Vous inquiétez pas si vous avez un petit peu de mal, on aura le temps de le revoir en cours. Si vous avez besoin de mettre pause pour répéter un petit peu, prenez le temps, faites-le. On va passer au pointé. Attention, on va pointer les gens qui sont autour de nous. Et 1, pointe à droite. Super. Ramène le bras. Pointe à gauche. 3. Et re-ramène le bras, je vous rappelle, comme une épée qu'on range dans le fourreau. 4. Attention, maintenant, bras droit qui va croiser. 5. En face, 6. Côté, 7. Et là, ramène la main gauche, 8. En mode yes, en mode bien. Non, pas en mode pointé, en mode bien, Pandoum. On recommence. 7, 8 et ça fait droite, reviens. Gauche, reviens. Droite en croisant, droite au milieu, droite sur le côté, pan, ici. C'est pas parce que tu n'as que 4 doigts, tu peux pas faire ça. Voilà, super. Allez, on se refait tout ça une fois depuis le début, sans musique, et ensuite, on se fait ça à fond sur le son. Ok, on va se refaire ça une dernière fois sans la musique, tranquillement, et ensuite, poussez les meubles, mettez le son à fond et mettez le feu à la maison. 5, 6, 7, hop, hop, hop. On n'a pas encore mis le feu, c'est pas la peine de venir éteindre avec ton pistolet à eau là. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, il faut que ça danse. 5, 6, 7, 8 et on tourne. 1, 2, 3, tap. 5, 6, 7, tap, et 1, 2, 3, 4, 5, épaule 6, 7, en bas, 8, super. Là, vraiment parce que vous êtes bon, je vous rajoute un petit mouvement quand même, le whispers, et ça fait, monte la paume vers le ciel, on va faire avec les deux mains, paume enroule, 1, reviens, 2, glisse, 3, 4, encore, 5, 6, glisse de l'autre côté, 7, 8. Ça, c'est vraiment parce que vous êtes bon, c'était pas prévu, mais il faut que je vous rajoute une petite difficulté. 7, 8, ça fait 1, 2, glisse, 3, 4 encore, 5, 6, glisse, 7, 8. Super, vous avez vu, quand je glisse, je me décale un peu sur le côté, j'allonge les bras un petit peu comme si je faisais du surf, voilà, pour que ce soit beau gosse. On y va, 7, 8, et le dernier mouvement, pointe droite, reviens, gauche, reviens, croise la main droite, pompe, en face, côté, et yes, avec le sourire, bien sûr, super important. Pandoum, dernière fois sans musique, ensuite deux fois sur le son, et ce sera bon pour aujourd'hui, ça fait 5, 6, 7, 8, et que tout, 4, que tout, tac, que tout, 6, 7, et on tourne, et 1, 2, 3, yes, 5, 6, 7, yes, et point, 2, 3, 4 et 5, épaule, 7, 8, enroule, 1, 2, glisse, 3, 4, enroule, 5, 6, glisse, 7, super, 8, et pointe, 1, revient, 2, 3, revient, 4, croise le bras droit, 5, devant, 6, côté, 7, yes, c'est parti, Moussika. Allez, bougez. Ralentis. Ralentis. Attention. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 6. Et on tourne. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Et up and lock. 2, 3. Enroule. Glisse. Enroule. Glisse. Pointe. 3. C'est parti.
Attention. Et 5, 6, 5, 6, 7. Pandoum, on veut voir ta tête. Pandoum, on veut voir ta tête. Pandoum, on veut voir ta tête. Attention. Ouais. Ça va les enfants? Vous êtes bien amusés? Wouh. Allez, freestyle, tout le monde danse à la maison, on y va. Allez, tout le monde danse à la maison. Bravo à tous ceux qui ont suivi ces cours là pendant ces semaines de confinement. Merci à tous les parents qui ont assuré pour que les enfants puissent le faire, parce qu'on sait que c'est de l'organisation, c'est pas facile. Merci aux parents, aux frères et sœurs qui l'ont fait avec eux. Ça, c'est magnifique, c'est encore mieux. Et n'oubliez pas, on lance notre petit concours vidéo. Envoyez-nous une petite vidéo, soit cette choré-là, soit celle d'avant, il n'y a pas de problème. Et on choisit les deux meilleures vidéos et on vous offre un super t-shirt Urban Talent qui sera remis par Pandoum lui-même. Ok ? Merci beaucoup. Rentrez la semaine prochaine, la semaine du 15. Puis on est content de vous revoir. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. On ça fait plaisir. On peut s'applaudir. Allez, on ciao, peut ciao, ciao. On peut s'applaudir. On peut s'applaudir.